Salut à tous. Alors c'est notre deuxième vidéo sur les retraites et dans celle-ci on va parler d'un truc scandaleux et qu'aucun, absolument aucun média n'a vu. Nous allons tous, nous tous ensemble là, payer pour la retraite des plus riches. L'arnaque, elle est dans la réforme de la retraite des cadres. Vous avez peut-être vu des titres du genre « Au-dessus de 120 000 euros, les hauts salaires ne paieront plus de cotises » ou « BlackRock va se gaver avec le magot de la retraite des cadres ». Tout ça, c'est juste, mais ça passe à côté de l'essentiel. Cette réforme des retraites de Macron, elle va nous coûter à nous tous 72 milliards d'euros et elle va rapporter aux entreprises 43 milliards d'euros au total. Ça, c'est pour nous la pire arnaque de cette réforme des retraites. Personne n'en parle, c'est pas encore sorti, mais là, on va tout vous expliquer pour que vous puissiez lancer l'alerte. Dans le système actuel, les cadres, ils payent des cotisations pour leur retraite jusqu'à un plafond de salaire, 27 000 euros par mois ou 330 000 euros par an. Macron propose d'abaisser ce plafond à 10 000 euros par mois ou 120 000 euros par an. Ça veut dire que sur tous les salaires qui dépassent ce plafond, eh bien les cadres ne paieront plus de cotisations, ils paieront simplement une petite cotise de solidarité à 2,8%, bref, rien à voir avec les 27% de cotises qu'ils payent actuellement. Autrement dit, dans le système de retraite version Macron, eh bien tous les salaires qui dépassent 10 000 euros par mois, ils sortent du système de retraite commun. Et ça, ça a quoi comme conséquence ? La première, elle est évidente, le régime va perdre des cotisations. Il y a moins d'argent qui va rentrer. Oui, mais combien exactement ? Eh bien dites-vous que ni le gouvernement, ni le rapport Delevoye ne mentionne ce chiffre. Il n'y a rien, si vous voulez savoir combien ça nous coûte, on ne sait pas. Et évidemment, aucun journaliste n'a pensé à poser la question. Heureusement, le syndicat des cadres UGICT-CGT a demandé au système de retraite qui gère les cotisations des cadres combien est-ce que ça allait coûter au système de retraite commun. Et on vient d'avoir la réponse. Vous le voyez sur ce tableau, sortir tous les salaires au-dessus de 10 000 euros par mois du pot commun, eh bien ça va coûter entre 4 et 5 milliards d'euros par an entre 2025 et 2040 au système de retraite. Au total, ça fait 72 milliards d'euros de perdus. Et au passage, 2025-2040, c'est pile la période où on a besoin du maximum d'argent pour assumer la retraite de tous les baby-boomers. En moyenne, ça va nous coûter 4,5 milliards d'euros par an pour les retraites. Et dites-vous que le déficit total de tout le système des retraites en 2018, ouais, tout le système avec les régimes spéciaux, avec tout ce que vous voulez, il n'est que de 3,5 milliards d'euros. Oui, oui, vous avez bien compris, on nous vend une réforme soi-disant faite pour financer des retraites en péril, mais ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, ils font perdre 4,5 milliards d'euros par an au pot commun en sortant les hauts salaires du système de retraite. Mais attention, là, vous allez voir la vraie entourloupe derrière cette décision. Donc ok, on perd l'argent des super cadres, mais est-ce qu'on continue à leur payer leur super retraite ? Parce que oui, si on perd leurs cotises, mais que de l'autre côté, eux perdent leur super retraite, ben, ça change quelque chose pour les cadres. Ils n'ont plus leur retraite, mais ça change pas grand chose pour nous. On les a juste sortis du système. Mais non, les cadres super bien payés de l'ancien système, bah va falloir qu'on la paye quand même leur retraite. Ils ont cotisé, du coup ils y ont droit. Et comme les super cadres, ils vivent super longtemps, bah va falloir qu'on la paye pendant 20 ou 30 années facile. En clair, à partir de 2025, on va devoir payer les super retraites des super cadres retraités, mais sans les super cotises des super cadres qui bossent. C'est seulement dans 30 ou 40 ans qu'on n'aura plus rien à payer. Tous les anciens cadres de l'ancien système, bah ils seront morts, et les nouveaux, ils auront plus les mêmes droits. Mais entre temps, pendant les 30 ans de la transition, bah c'est le régime général des retraites, c'est-à-dire nous tous, qui allons devoir raquer. Donc cette décision de Macron de rabaisser le plafond de cotisation de 27 000 à 10 000 euros brut mensuels, bah ça peut avoir l'air d'un petit truc anodin, d'un petit détail technique, mais en fait c'est un énorme scandale, c'est une énorme injustice. Mais attendez, le pire, c'est que ça s'arrête pas là, parce qu'on s'est pas encore demandé à qui profite le crime ? Qui va vraiment profiter de ces 4,5 milliards de cotises qui s'envolent ? Les super cadres actuels ? Eh bien même pas. Les grands gagnants de ces 4,5 milliards, en fait, c'est les grosses boîtes. Pourquoi ? Eh bien parce que ces 4,5 milliards d'euros par an qui manquent, eh bien c'est des cotisations retraite. Et les cotisations, elles sont payées à 60% par les entreprises, c'est les cotisations patronales, et à 40% par les salariés, c'est les cotisations salariales. Donc les cadres, ils ne vont récupérer que 40% des cotisations. Mais attention, certes, les cadres dans ce nouveau système, ils gagnent un peu de salaire, mais de l'autre côté, ils perdent énormément de droits à la retraite. Et il y a même une étude d'un organisme indépendant qui montre que les cadres vont beaucoup perdre au change. Donc, c'est clairement pas les cadres qui profitent du crime.
Les vrais gagnants des 4,5 milliards, en fait, c'est les entreprises. Elles vont récupérer les 60% de cotisations patronales. Et 60% de 4,5 milliards, bah, ça fait 2,7 milliards d'euros par an qui vont dans leur poche. Sympa le cadeau de Noël, hein. Et puis, Noël, c'est chaque année, hein. Jusqu'à 2040, ça fait 43 milliards d'euros qu'on va filer comme ça aux entreprises. Comme ça, sans raison, c'est la tournée du Macron. Et attention, ça concerne pas n'importe quelle boîte, hein. C'est pas le petit kebab ou le petit coiffeur du coin. Les salaires à plus de 10 000 euros par mois, tu les trouves surtout dans les grandes entreprises. Et dans les entreprises qui sont dans des secteurs où il y a beaucoup de hauts salaires, comme la banque, la finance, les assurances ou l'industrie pharmaceutique, bah là, cette réforme, ça va carrément être le jackpot. Du coup, oui, les AXA, BlackRock et compagnie, bah ils sont tout contents de récupérer les cotisations des cadres pour les placer sur les marchés financiers. Ok, c'est vrai. Mais le vrai gros cadeau de cette réforme, bah c'est plutôt les 2,7 milliards d'euros par an que les boîtes n'auront plus à verser sur tous leurs gros salaires. Ça, c'est un vrai cadeau de Noël. Donc là, on a compris que sortir les salaires au-dessus de 10 000 euros par mois du système commun de retraite, c'est une énorme arnaque. 1. Ça va faire perdre 4,5 milliards d'euros par an au système commun de retraite. Au total, sur la période, ça représente 72 milliards d'euros à trouver. Et qui va les payer ? Ben, c'est Bibi. C'est nous tous qui allons financer les retraites des super cadres qui, avant Macron, ben, se finançaient toutes seules. Et 2. Ce régime spécial des cadres que nous réserve Macron, ben, ça représente un cadeau de Noël de 2,7 milliards d'euros chaque année pour les grandes entreprises. Donc, quand Macron ou Philippe disent vouloir renforcer le système de retraite et le rendre plus juste, c'est d'un cynisme sans nom. Voilà, nous on a fait le taf pour vous expliquer le plus clairement possible cette injustice et avec les bons chiffres. Du coup, nous on compte sur vous pour faire tourner cette info parce qu'elle est passée plutôt inaperçue jusque là. Pourtant, cette arnaque, elle est au cœur de la réforme des retraites de Macron. Elle va nous léser, nous tous, tout ça pour faire un cadeau de Noël de 2,7 milliards d'euros chaque année aux grosses boîtes. On compte sur vous pour faire tourner les messages et puis comme d'hab, gros big up aux grévistes, à tous ceux qui sont dans la rue, ça sent bon pour la suite, maintenant il n'y a plus qu'à tenir bon. Bon, moi je vous fais des gros bisous, à tout vite. Nous on se revoit à la rentrée pour encore plus de décryptage sur cette réforme des retraites, et en attendant, si vous voulez aller plus loin et voir plus de vidéos, vous pouvez faire un tour sur osonscomprendre.com, c'est notre nouveau site, c'est un site à abonnement qui va permettre de soutenir tout le travail de décryptage qu'on fait dans les vidéos qu'on offre à tout le monde et qui en plus vous permet d'accéder à des super vidéos. Il y a déjà plus de 4000 membres, du coup allez voir, ça commence à 3€ par mois pour les petites bourses, et si vous êtes un super cadre, on accepte aussi les gros chèques. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes, profitez bien de votre famille, on se revoit à la rentrée, bonne année.